Bonjour à tous, c'est DLB, je suis sur Buzz de Fou et aujourd'hui on fait mon portrait robot. C'est parti. Alors, je m'appelle Dylan, à la base je suis youtubeur. Et mon nom d'youtubeur c'est Dylan Leblanc, ce qui fait que pour le rap j'ai pris 3 lettres, DLB, voilà. Et ça fait pas longtemps que je suis dans la musique et voilà, on va faire ce qu'il y a à faire. J'écris depuis longtemps, après j'ai commencé surtout côté parodie parce que j'assumais pas trop le fait de faire du rap et après je me suis dit pourquoi pas me lancer et j'ai sorti un clip il y a moins d'un mois qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Depuis tout petit, j'ai un lien fort avec la musique, c'est-à-dire que j'ai fait aussi bien des cours de piano que de la danse, que voilà, j'ai toujours chanté, je suis à fond avec la musique, il me faut mon quota de musique tous les jours, sinon je suis pas bien. Alors j'écoute beaucoup de rap français, énormément de rap français. Celui qui m'a marqué le plus, c'est Lafouine. J'ai saigné tous ses albums jusqu'à les derniers. Et sinon Nino, toute la nouvelle génération, RK, tout ça, Révolution Urbaine aussi, groupe de Marseille. Et voilà, beaucoup de français, voire même que ça, et très très peu de Quinry. GLK, RK, Kobalade, Chargé, leur feat, il est incroyable. J'ai pas de réel objectif, mais ouais, commencer à me lancer doucement dans la musique et voilà, conserver et ma partie humour et ma partie sérieuse, dissocier ça un petit peu. Et puis voilà, faire davantage de sons, de clips et pourquoi pas peut-être un projet, je sais pas quand, mais... Alors c'était l'occasion pour moi de me lancer dans le rap sans faire de parodie, etc. Donc c'était mon premier clip sérieux. Et du coup j'ai commencé par un feat avec Les Incompris qui sont, c'est un groupe de rap qui sont posé des artistes et voilà, je suis plutôt proche d'eux et puis voilà, on a fait un feat pour se lancer et puis voilà, moi je suis satisfait du résultat. J'écris beaucoup de freestyle et puis pourquoi pas des sons, pourquoi pas peut-être un OP, franchement je sais pas.